Alors, tu viens ? T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ma bordel, elle est où cette sale gosse ? Alice ! Alice ! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé ? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Allumez télé. Alice, arrête-moi ça immédiatement! Pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule? Qu'est-ce qu'elle me saoule? Ça dépend de ce que tu veux. Oui, je peux t'en trouver. Oui, oui. Je t'amène ça. Oui, même endroit, tu sais. Tu sais où ?
Kara ? Oui, Todd ? File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain. Tu devrais pas fouiller dans mes affaires. Ça risque de m'énerver. Je suis désolée, Todd. Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux mettre en rogne. Tu veux mettre en rogne. Non, Todd. Thank you.
Quelle jolie peluche. Comment elle s'appelle ? J'ai bien avancé ici. Je vais aller voir là-haut. Fais ce que t'as à faire, mais arrête de me gonfler.
Alice au pays des merveilles. Forcément. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi ? Tu es très silencieuse. J'espère que je ne te fais pas peur. Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pour vrai. Dis-le ! Tu me détestes ! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je t'aime, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Avec moi. Papa est très fâché, Alice. Très fâché. Tout ça est de sa faute. Tout ça, c'est sa putain de faute.
dégager. Allez, terminus. Le terminus ? Ouais, vous pouvez pas rester là. Réveille-toi. On doit descendre. Écoutez, on n'a nulle part où aller. Elle est épuisée et il pleut des cordes. On peut pas rester un peu ici. Ce bus retourne au dépôt, je peux rien faire pour vous. Ça va aller? On trouvera un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. On cherche quelque part où dormir. Tu sais où on pourrait passer la nuit?
Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Nos vêtements. On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. On ne peut pas faire ça. Tu as raison. On n'y touche pas, d'accord? Montre pas. On doit trouver 40 dollars et se débarrasser de cet uniforme ou chercher un autre endroit. Une maison abandonnée. Au moins, on sera au sec là-dedans. Kara, j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. J'ai frigorifié. Ça va, j'ai pas trop froid. Tu as l'air perdu. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir.
Tiens, Alice. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Merde ! Une androïde sans abri ? Ça, c'est la meilleure. Écoute. T'es dans une supérette, pas à l'armée du salut, ok? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Mais pourquoi ? S'il te plaît, Alice, fais-moi confiance. Tu vas bien ? Tu t'es fait mal ? Bon, t'en fais pas. C'est que des canettes. Ça fait du boucan, mais c'est rien. Dis-moi, qu'est-ce qu'une petite fille comme toi fait dehors si tard ? Rassure-toi, je mords pas. Avaler ta langue. Bon. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'as qu'à me faire signe, ok? Et attention où tu mets les pieds. Ne crains rien, Alice. On va trouver un endroit où passer la nuit. Est-ce que ça va ?
Oui, c'est juste une égratignure. Fais attention. Ne t'inquiète pas, on va juste jeter un œil. Alice ? Alice ! Non, attends, qu'est-ce que tu fais ? De la visite ? Ralph n'aime pas les visiteurs, ils sont dangereux. Ils peuvent blesser Ralph. Ce n'est qu'une petite fille, elle te fera pas de mal. Petite fille ? Ce n'est pas une petite fille. Et puis qu'est-ce que ça change ? Peut-être qu'elle veut faire du mal à Ralph. J'ignore ce que les humains t'ont fait, mais elle n'a rien à voir là-dedans. Tous les humains veulent nous faire du mal. Mais Ralph ne laissera pas recommencer, jamais, non, pas question. Je pensais que l'endroit était vide. On cherche juste un endroit où passer la nuit. Les visiteurs sont dangereux. Regarde ce qu'ils ont fait à Ralph. Tu n'as rien à craindre, tu sais. On ne te fera aucun mal, je te donne ma parole. Il faut excuser Ralph. Ralph a encore du mal à contrôler ses gestes. Parfois, ses peurs lui font faire des choses qu'il regrette. Ralph a vécu des moments durs. Il a peur que les humains l'enferment à nouveau. Restez, si vous voulez. Ralph vous fera pas de mal. D'accord. On reste juste pour la nuit. Allez ! Venez ! Allez, venez ! Et par ici ! Ralph habite ici depuis qu'il s'est échappé. Ralph ne sort jamais, personne ne sait qu'il habite ici. Des squatteurs humains passent de temps en temps, mais Ralph se cache jusqu'à ce qu'il parte. Venez. Vous pouvez faire comme chez vous ici. Ralph va se rendre dans la pièce à côté. Il voudrait rester avec vous, mais il a des choses à faire. C'est juste pour cette nuit, Alice. On trouvera un meilleur endroit demain. Voyons où tu pourrais dormir. Assieds-toi, je vais faire du feu.
Tu peux venir te coucher. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas grand-chose, mais au moins tu seras au chaud. Pourquoi il m'a jamais aimée ? Pourquoi il était toujours fâché contre moi ? Moi, je voulais juste vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux ? J'en sais rien, Alice. Tu me quitteras jamais, hein ? Promets-moi que tu me quitteras jamais. Je te le promets. On restera ensemble pour toujours ? Pour toujours.
Ok. C'est tout pour l'instant. Tu peux y aller. On a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'ils trouvent quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Aucune idée. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Elle a été vue par le chauffeur de bus à 2h30, puis elle a été à la supérette. Elle a volé une pince coupante. Il doit y avoir une raison. Une pince coupante? Putain, mais de quoi tu parles? J'ai regardé la vidéosurveillance quand vous étiez avec le vendeur. Les caméras l'ont filmée en train de la voler. Elle avait une pince coupante et elle cherchait un endroit où se cacher. Alors, qu'est-ce que t'en conclus, Sherlock? Elle n'est peut-être pas allée loin. Ralph a trouvé ça pour nourrir la fillette. C'est bon pour elle. C'est un cadeau. Pour dissiper les malentendus entre nous. Ralph va cuisiner, nous allons faire comme les humains. Ils aiment la viande brûlée. Approchez. Venez vous asseoir. C'est vraiment très gentil, Ralph. Mais il faut qu'on y aille. Y aller? Non, vous partirez quand la fillette aura mangé. On va manger ensemble, comme une vraie famille, avec le père, la mère et la fillette. C'est mieux. Ralph, c'est donner du mal pour trouver quelque chose à manger pour la fillette. Ce serait mal poli de sa part de refuser, n'est-ce pas? Génial. Ça va être génial. Succulent, vous allez voir. Succulent. Succulent. Le père, la mère, la fillette. S'il te plaît, Kara, je ne veux pas manger ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit qu'elle avait hâte de manger. Elle a très faim. La petite humaine ne va pas le regretter. Ralph a trouvé le meilleur, le plus grand possible pour elle. Ça va être succulent. Succulent. Vas-y. Mange. Mange! Mange. J'ai vu le cadavre en haut. C'est toi qui as tué cet humain, n'est-ce pas? Non. Non, il était comme ça quand Ralph l'a trouvé. Tu as tué cet homme, Ralph. Inutile de me mentir. Tu hais les humains, mais tu es comme eux, un meurtrier. Ralph ne voulait pas le blesser. Non. C'est juste que... Ralph ne contrôle pas sa colère. Quand sa colère arrive, Ralph ne maîtrise plus ses gestes. Il devient stupide. Rempli de haine. Ralph est désolé. Il voulait juste être ami avec vous. Alors laisse-nous partir. Il y a quelqu'un ici ? Thank you.
Il y a du sang bleu sur le grillage. Je sais qu'un androïde est passé par là. Ralph s'est égratigné en passant. C'est le sang de Ralph. Je cherche une AX-400. Tu l'as vue ? Ralph n'a vu personne. Y a-t-il d'autres androïdes par ici ? D'autres androïdes ? Non. Ralph est tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut ? Non. Personne. N'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Tirez pas! Il nous la faut vivante!
comme ça. Je ne peux pas les laisser s'enfuir. Justement, ils n'arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ce risque. Hé, hey, arrête! Tu vas te faire buter! Les prends pas en chasse, Connor. C'est un ordre. Ça va aller ? De l'aide ici. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On est arrivé. Vous êtes Zlatko ? Pourquoi ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez ! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Ne soyez pas timide. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames ? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie, faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi ? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces. L'air pur,
Et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est... Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. Bien sûr. Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. Alice, on a nulle part où aller. On doit lui faire confiance. Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Par ici, je vous en prie. Si tu veux bien monter là-dessus. Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Étrange. Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formatée, laissez-moi! Kara! Oh, j'avais oublié la gamine. Enferme-la, je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice, non! Eh bien... Une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'envierai presque. Kara! Oh, pauvre petite Alice. Oh,
On dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein. Oh, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, allez, ça suffit, viens. Il m'a mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Rejoins-moi dans le salon. Ça ne peut pas être possible. Il aime jouer avec nous. Il crée les monstres. Juste pour s'amuser. Mais qui est le vrai monstre? Regarde ce qu'il nous a fait. Oui, Zlatko. Je vais terminer dans 10 minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. Je vous amène la petite dans 10 minutes. Thank you.
toujours obéir au maître. Oui, tout le monde doit lui obéir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire du mal. Non. Non. Non, tu ne ferais pas ça. Je cherche une petite fille. Est-ce que tu l'as vue? Une petite fille? Non, 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 je ne l'ai pas vue. Si je te libère, est-ce que tu te tairas? Oui, oui, c'est promis, je me tairai. Ne m'éteins pas. Non. Non, bien sûr que non. Je suis désolé. Au sujet de la petite. Les habitants de Détroit ont assisté ce matin à une incroyable course-poursuite dans les rues de la ville. Je puis t'oublier. Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord? Luther ! J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien, Zlatko. Zlatko ! Quoi ? La petite a disparu ! Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Bon alors, qu'est-ce que t'attends ? Va la chercher !
la maison. On doit sortir avant qu'ils nous trouvent. Merde. Où ils sont passés? Luther! Vas-y, trouve-les, bordel! Vous désobéissez au maître. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Je dois le prévenir. Oui, 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 pas de doute, maître. Oui, je dois le prévenir. Elles sont là. Elles sont là. Venez vite. Venez vite. Elles sont là. Elles sont là. Venez vite. Je vais faire une courageuse. Je sais que tu te caches ici, sale petite garce. Montre-toi! Va chercher une lampe torche. Il y en a une sur la table. Allez, ma grande, sors de là maintenant. Je te ferai pas de mal, c'est juré. Je veux juste te parler. Je sais que j'aurais pas dû effacer ta mémoire, ok? Je regrette de l'avoir fait. Allez, sors de là et tout se passera bien. Je t'aiderai si tu veux. Pense à la petite fille, la pauvre. Elle doit être terrifiée. Je sais où tu te caches. J'en ai assez joué. Et je vais te faire regretter de m'avoir fait tourner en bourrique. Prévenu, hein? Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là! Non. Pas cette fois. Allez, bouge-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître!
pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance.